Bonjour à tous, je vais vous présenter la My Little Box du mois de juin. Le thème, Calbee on the Rocks. Donc, toujours la boîte cartonnée avec de très belles images de plages, de bateaux, de personnes qui se promènent le long sur le sable fin. À l'intérieur, j'ai collé la fameuse phrase de Prince, « Music is music ultimately, if it makes you feel good, cool ». Donc, j'étais fan de Prince, et d'autant plus, hein, je la laisse à l'intérieur, j'aime beaucoup. Alors, à l'intérieur de notre box, toujours la petite carte qui est faite par Kanako, « Are you a summer girl ?» Oui, on va dire, hein. Donc elle est toute une fille de l'été, petit ruban avec des petits pois, bleu émeraude. Très sympathique, hein, je m'en sers, moi je ne les encadre pas, mais je vais écrire dessus à l'arrière, des petites notes ou autres. Le petit livret, le petit carnet, le petit magazine en fait, hein, où vous allez avoir les différentes interviews, là c'est Alix Petit. Il me semble que c'est une New-Yorkaise d'adoption, la marque Heimstone, ça doit être de la déco. Hein. J'ai vu aussi qu'on avait pas mal de pages sur la mode. Il va y avoir, il parle de lits de beauté, hein. Le thème c'est quand même Calbee, donc les voyages. J'aime beaucoup le lire, hein. Il a un format très agréable, on peut l'amener, le mettre dans son sac à main. Qu'est-ce qu'on a dans cette box? Donc le premier goodies, ça va être un petit sachet de Kousmiti à l'hibiscus, baies et fruits rouges. Comment réussir? 1 litre de thé glacé, donc on peut aller se référer à kousmiti.com. Là, la saveur aquarosa. Donc, moi, j'aime beaucoup les thés Kousmiti. Il me semble que j'ai vu quelque chose au niveau de la préparation d'un thé, d'un thé glacé, Tea Time. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Il nous faut du citron, des glaçons, de l'eau, bien sûr, et un sachet d'aquafis de Kousmiti, donc d'aquarosa. Verser 60 ml d'eau sur de l'eau pure, frémissante dans une carafe. Laisser infuser 7 minutes avec du citron. On rajoute des glaçons et c'est là que la magie s'opère. Aquarosa se transforme en aquafiz. Donc l'aquafiz de Kousmiti étude 10 sachets mousseline, 14 euros. Voilà, moi j'en ai plusieurs, donc j'aime beaucoup ça me fait plaisir. Hein. Je vais le tester celui-ci, je ne connaissais pas. Deuxième goodies. Un t-shirt, donc je vais voir, il doit y avoir un petit menu, effectivement, donc on va avoir le t-shirt Calbee on the Beach, 19 euros, donc moi j'ai le bleu, le rose, je sais que des amis allemands ont eu le rose, est-ce que ça dépend des pays, aucune idée, vous me direz, donc un petit t-shirt sans manches, très joli, hein. C'est du coton. Hein. À l'arrière, Calbee on the Rocks, puisque c'est une manifestation qui va se passer à Calbee, hein, assez importante. Moi, je m'en sers pour traîner à la maison, ou alors comme eau de pyjama short. C'est sympa comme tout, en pyjama. Donc, le t-shirt 19 euros. Je suis très contente, le rose. C'était comme ça. Comme ça. Une petite trousse de émeraude transparente avec logotypé, enfin il y a un petit bikini guard, la pochette à maillot de bain de My Little Box et on a un petit dessin de maillot ici, je vous montrerai après. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Je les sors en même temps. On va avoir deux produits Velleda en mini. Hein. Un fait 7 ml, c'est la crème de jour. On va regarder ce que c'est. Je l'avais déjà ouvert en fait. Hein. Donc, c'est à l'onagre. Le Velleda, souvent, le carton
indique la plante. Donc là, c'est mauve. Je vais en mettre un petit peu. Je sais que c'est à base d'huile essentielle. J'utilise beaucoup, nous on est frontaliers, donc ils en ont beaucoup chez DM. Et je les utilise pour partir en voyage. C'est des petits formats. Voilà, je cherchais le mot. C'est des petits formats. Ça sent fort les plantes au départ. Hein. Donc si vous n'aimez pas les huiles essentielles, ça va vous gêner. Ça s'estompe au fur et à mesure. Mais si on n'aime pas, je pense qu'on ne peut rien faire. Hein. Là, c'est affaire de goût. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'heure bleue, à la tombée de la nuit, quand le soleil met les voiles, il y a une fleur qui sort enfin de son sommeil, c'est pas nuit, l'onagre. Ou par contre, c'est une autre histoire. Au lever du soleil, quand le jour décide de refaire surface, il n'y a plus personne. Oh. Donc, pour assurer dès le crépuscule, Véléda a mis en tube, pour vous, la fleur d'onagre et une vingtaine d'huiles essentielles, 100% naturelles. Résultat, une crème de jour qui renforce la structure de l'épiderme du petit matin jusqu'au soir. Let's party all night long. Donc, ça veut dire que si vous utilisez cette crème, vous pouvez faire la fête toute la nuit. Hein. Bon, ça, hein, c'est marrant. Tant qu'à faire. On va la mettre. Hein. J'ai lu aussi que c'était pour peau mature. J'aime bien le terme, peau mature. Voilà, hein. Ça peut arranger les choses, autant s'en servir. Le deuxième, ça va être l'huile revitalisante corps. Donc celle-ci fait 10 ml dans un petit flacon en verre. C'est orangé. Je vais voir si ça colore la peau. J'ai une peau un peu mate, donc ça va pas se voir non plus. Oui, bon, un léger, une légère coloration. Ça sent la même odeur que la crème. Si on n'aime pas les plantes, ça ne plaira pas. Hein. Mais c'est très agréable. Ça rentre très, très vite. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Donc ça, c'est sûr, je vais m'en servir. Alors, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils vont nous donner les prix. Donc ça, c'est le format échantillon. En prix, qu'est-ce qu'on va avoir? L'huile d'onagre de Véléda, 100 ml, 25,65. La crème de jour, 30 ml, 24,50. Donc, tout à fait abordable. Moi, j'aime bien. Hein, je suis contente. En deux, qu'est-ce qu'on va avoir? Enfin, en trois même. Hein, Révolution parfumée, Sabé Maçon. Alors, ça, je connais. C'est un petit tube cylindrique cartonné assez rigide. La contenance, 5 grammes. Ce sont des soft perfumes. Il y en avait déjà dans une little box. J'avais beaucoup aimé. J'avais eu la senteur Copacabana, il me semble. Je l'ai utilisé. Hein. Donc, je vais vous montrer ça. Moi, j'ai la Être ici ailleurs. Donc, ça se présente comme ça, sous en forme de stick. On enlève le petit capuchon. Et donc, vous voyez la contenance de 5 grammes, j'ai dit. Oui, 5 grammes. Ça donne ça à peu près. Hein. Donc, c'est solide. On se parfume aux endroits stratégiques, je veux dire. Oui, bon. L'été, j'aurais dans les coudes, j'ai une petite tendance, ça colle un petit peu. Mais bon, très, très, très facile à emporter avec soi. Ça sent bon, ça sent bon. C'est, je sais pas, c'est pas fleuri, c'est peut-être un peu musqué, aucune idée, c'est pas détaillé. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Révolution parfumée. Et vas-y que je te stick par-ci par-là et hop, on s'embaume. On peut savoir ce que vous faites là, je me parfume. Avant se parfumer, c'était trois pchites qui atterrissaient on ne sait où. Sauf qu'entre-temps, Sabé Maçon a mis les pieds dans le flacon. A mis les pieds dans le flacon en imaginant un nouveau geste de parfumage. Paris osé. Donc, le parfum en 2016, solide, en stick, ultra pratique et surtout bon pour la peau. Ça s'appelle le soft perfume. Alors, un nouveau rituel sans... Ah oui, je comprends mieux pourquoi bon pour la peau. Sans alcool, sans parabènes, c'est vrai que c'est... j'ai pas fait d'allergie, effectivement. Sans parabènes, sans alcool, aux composants naturels, riches de vertus hydratantes et made in France, donc tant mieux,
que ce soit Striptease Flower, Copacabana, et alors l'autre, ou encore, qu'est-ce que ça va être? La Reine Soleil. Donc, point de suspension, ce nectar. C'est marrant parce que le miel n'apparaît pas. Être ici et ailleurs. Hein. Ce nectar de parfum. Les nectars de parfum sont addictifs et uniques. Vous ne vous parfumerez plus comme avant. Bon, effectivement. Donc, les soft parfums de Sabé Masson sont à 22 euros. Donc, ça, c'est un, pardon, c'est un full size. Hein. Moi, je suis contente. Hein, je vais l'utiliser. Ça, c'est certain. Qu'est-ce qu'on va encore avoir? J'ai encore un produit. Donc, il se présente comme ça. Un petit spray. Hein, un flacon. Il est en plastique transparent, c'est un spray. Donc, je ne sais pas si je vous avais donné les prix avant. La petite pochette maillot mouillé fait 8 euros. Le t-shirt fait 19 euros. Tout est, vous pouvez les commander sur My Little Corner. Donc, pourquoi pas, hein, la petite pochette, elle est pratique. Et là, c'est un spray salé coiffant. Il vaut 9 euros. La contenance, 95 millilitres. C'est bizarre. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent concernant ce spray? Le secret des surfeuses, pardon, les secrets des chevelures ondulées des surfeuses, un spray salé nonchalamment réparti sur l'ensemble de la chevelure. En plus, qu'est-ce qu'ils disent? Ce spray contient un film UV, ne pas vaporiser sur le visage. Bon, forcément. Alors, qu'est-ce que ça a comme odeur? C'est sympa. C'est marin, c'est marrant. Je sais pas ce que c'est. Si c'est le côté salé, ça me dit quelque chose. J'arrive pas à trouver. Est-ce que c'est gras? On va en mettre partout. On va en mettre là. Est-ce que c'est gras? Est-ce que l'eau? Est-ce que c'est huileux? Un petit peu. Il y a quand même quelque chose à l'intérieur qui fait que. La composition, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais vous dire ça, je vais mettre mes lunettes, c'est vraiment petit. Aqua, poly, oh là là, polyurobate. Ah, il y a de la glycérine, voilà. Donc, j'ai bien senti un côté un petit peu gras de la chose. J'ai un cheveu ondulé au naturel. Là, j'ai dû les tirer parce qu'on s'est pris de nouveau un petit peu de pluie, donc ça frisotte. Mais pourquoi pas, je suis très contente. J'ai essayé souvent des mousses qui, en fait, collent. Donc, prennent les cheveux et font des paquets comme ça. Moi, j'aime pas trop. Donc, si vous avez un bon plan pour les cheveux ondulés, pour les froisser, que ça fasse naturel sans frisotter, là, pour le mois de juin, j'utiliserai tout ça. Donc, je suis très très contente et puis je vous mettrai tout en barre d'infos, tout ce qui concerne My Little Box. Et bah, écoutez, au mois prochain pour la Little Box. À très bientôt. Au revoir.